Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Pink Julia et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo test, la première de ce jeu, Bus Driver Simulator Countryside. Donc si vous trouvez que ça ressemble à Bus Driver Simulator que j'ai testé hier, c'est tout à fait normal parce que c'est les mêmes développeurs, les mêmes bus à voir en plus. On s'y perd pas trop, ils ont fait un copier-coller. Sauf que cette fois, au lieu de, comment dire, d'être qu'en ville, on emmène les personnes à la campagne. Et oui, on les emmène en vacances à la campagne ou en week-end, amoureux et tout ça. Alors si c'est les mêmes touches, je vais encore me marrer. Parce que les touches à la russe, c'est un peu merci bien, mais bon, voilà. Regarder joystick gauche, ah joystick gauche, ah non, le volant en fait, on c'est ah, ça a l'air d'être un peu mieux. On va faire le didacticiel quand même parce qu'on sait jamais. Je préfère, c'est la première fois que j'y touche, que je mets mes mimines dessus, mais bon, à mon avis. Ça changera pas de beaucoup comparé à Bus Driver Simulator que j'avais testé hier. Voilà, non, ça change pas en fait. Hein. Voulez-vous connaître les sensations que l'on éprouve au volant d'un bus? Eh ben, je les ai connues hier. Ça fait franchement, comment dire, l'enfer dans ce jeu. Hein. On va pas se le cacher. Vous pouvez changer la caméra. Oui, je sais. Oui, bah, c'est pas Bus Driver, hein. C'est pas Bus Simulator. Hein. Remonte un peu parce que là, voilà. Essayons de démarrer le moteur. C'est exactement le même didacticiel qu'hier, hein. Franchement, pour ceux qui verront. Donc, faut maintenir. Voilà. Je l'ai fait, hein. L1 plus la touche haut pour allumer les phares. Voilà. L1 plus bas pour la lumière dans la cabine. Et L3 pour la lumière du poste de pilotage, si on peut appeler ça comme ça. Et je n'ai toujours pas de main. Ils n'ont pas fourni une main. Touche droite et touche gauche. Ça fonctionne. Vous devez mettre vos feux de détresse, ok, voilà, merci, au revoir, c'est exactement le même. Sur la route, un coup de klaxon. Putain, le klaxon. Le vieux klaxon en russe. Le vieux klaxon en russe. R1 plus la touche pavé tactile. Ah oui, pour l'enlever, non mais je vais la regarder, et voilà. Allez, du sein. Voilà. Le frein de stationnement est enlevé. Nous pouvons y aller. D'accord. La même qu'hier. Ah, mais cette fois, ils se sont pas trompés. Je peux bouger la caméra avec le joystick droit. Donc, avec le joystick gauche, je peux rouler. Purée, pourquoi ils n'ont pas fait sur le Bus Driver Simulator? C'est l'inverse. Franchement, c'est voilà. Alors, nous allons arriver au premier arrêt qui est là. Voilà, le petit. Hop. Allez, on monte. Merci. Bonjour. Bonjour, t'as pas besoin de lunettes de soleil, tu es arrivé en enfer. C'est bon, tout le monde est assis. Voilà, on ferme le bus. Je retire mon frein à main et je redémarre. Alors, on va essayer de bien le prendre cette fois parce que hier, comme les touches sur Bus Driver ne sont pas pareils que ici, franchement. Ah, l'arrêt est là. Ah, l'arrêt est là. Vous sautez pas sous mes roues quand même.
C'est dangereux quand j'arrive, je vous dis. On ouvre les portes. Merci, au revoir. Reste bien branché sur ton téléphone, toi. Oh là là. C'est bon, vous êtes tous dedans, je peux fermer. Merci. On va montrer qu'on s'en va de l'arrêt de bus, hein, quand même. Non, là c'est didacticiel, donc t'as pas de voiture, non. Vaut mieux pas, parce que hier ça a été une hécatombe sur le. Mais c'est exactement le même. Comment dire? Le même didacticiel. Wow! Je roule sur le trottoir, attention. Attention. C'est le même didacticiel que sur Bus Driver Simulator. Là, c'est là. C'était là. Voilà. Arrêt de bus numéro 3. Allez. Tout le monde descend. Merci. Au revoir. J'ai mon permis D. C'est magique. Ah, il y en a une qui est contente là. Ouais, elle est pas morte. J'ai pas eu d'accident. Elle est contente. Ouais, aussi. Ouais. C'est peut-être carnaval quand même. Hein, au pire. Appuyer. Pourquoi? Pour passer en marche arrière. Pourquoi? Voilà, permis D. Donc, j'ai réussi ce didacticiel en roulant un peu sur le. Comment dire? Sur le trottoir, hein. On va pas se le cacher, hein, mais bon, voilà quoi. Ça va être pire après. Enfin, peut-être pas, mais bon. On ne sait jamais. Alors, on va commencer la carrière. Alors, en mode carrière, la ville tout entière vous ouvre ses portes. Donc, si c'est comme hier, franchement, ça fait peur. Vous pouvez choisir votre bus et votre destination en toute liberté. Gagner de l'argent en transportant des passagers. Non, mais franchement, c'est exactement le même qu'hier, quoi. Ah, j'ai qu'une ville, par contre, à voir. J'ai peut-être qu'une petite ville. J'ai bien peur qu'ils ont vendu deux fois le même jeu, mais dans le deuxième jeu, ils ont simplement mis, comment dire, ils ont ch simplement changé la touche pour tourner et mis, comment dire, la campagne en plus. La campagne avec les champs et tout ça, hein, pas la campagne, pas la carrière. Alors, en bus. Bah, vous allez rire, mais c'est exactement le même jeu en fait. Ils ont remis le même jeu, les enfoirés. Donc celui-là est à. Ah, ils ont baissé le prix du premier bus. Hier, vous en avez vu, j'avais plus d'argent avec le premier bus, mais par contre, est-ce que mes DLC que j'ai acheté pour l'autre est ici? Parce que si c'est ça, je paye pas en fait. Ah non, les DLC, ils. En fait, les DLC du premier ne passent pas pour aller, comment dire, en campagne. Bon, c'est pas juste. C'est pas juste. Ils m'ont entendu, en fait. Ah, purée, j'en avais 5 ou 6 de gratuits dans l'autre, dont celui-là, il me semble aussi, au passage. Ouais, celui-là. Ça me parle. C'est dégueulasse. Alors, nous avons celui-là qu'on peut acheter, mais on n'aura plus un copec après. Ça va, il n'est pas trop trop mal. Il fait un peu ancien, mais bon, c'est russe, hein, au passage. Ou alors celui-là, en plus petit. Bon, à celui-là, il ne nous restera rien non plus quand même. Hein. Au passage, il est au même prix. Celui-là, le vieux jaune, tout dégueulasse. Alors, est-ce qu'on prend le vieux jaune dégueulasse, celui-là ou celui-ci? Moi, je partirais bien sur celui-là. Je sais pas.
qui me plaît un peu plus, je dirais. Mais j'aurais plus d'argent. Ou alors on prend le premier. Celui-là, de toute façon, il est plus cher, ouais, le plus petit aussi. Bon, allez, on va prendre le premier, on verra bien. Allez, on prend celui-là. Acheter. Voilà, ouais! Notre premier bus. Et il nous reste un peu d'argent quand même. Mais bon, un peu dégueulasse quand même comme bus, hein. Franchement, on va pas se le... voilà, on va pas se le cacher. C'est un vieux bus russe, hein. Ah, la mère Russie. Il est où mon joystick? Ah, il est là. Magasin de pièces, on s'en moque. Trajet, non. Sélectionnez le trajet, voilà, cherchez. Vous allez rire, c'est exactement le même. Sauf qu'on va en campagne. On va peut-être faire le premier. Hein. Oh, celui-là, il est un peu plus petit. Bon. Allez, on va faire le premier. Voilà, on sélectionne le trajet. En fait, le premier, c'est qu'en ville, et celui-là, à voir, c'est en campagne. Donc, bon, bah, voilà, hein, c'est deux jeux, un en ville, un en campagne. On verra bien lequel est le mieux à la fin de la vidéo. Ah oui, les fameux trajets, j'adore. J'adore les trajets. Temps d'arrêt. Ah bon, c'est comme ça maintenant. Dans l'autre, j'avais. On va mettre 2 minutes. Hein. Voilà. Purée, non. Ça va être encore une fois galère. Merci les Russes hein, qui nous font le plaisir d'avoir des jeux comme ça. Celui-là en ville, on a le droit à des petites flèches. Haut et bas pour changer les minutes d'arrêt. Et dans celui-là, bah, on tape encore au clavier. Non, 3 minutes, parce que... au clavier. Voilà. Je peux pas sélectionner tout en 2 minutes, bordel. Je vais voir. On va faire des arrêts de 2 minutes. De toute façon, vous allez voir, c'est le bordel. À la fin de la vidéo. Hier, je devais attendre quasiment 3-4 minutes avant de redémarrer, sinon je me prenais une prune. Alors, voilà, il n'y en a plus. Si, il y en a encore. Ah ouais, quand même, il y a quand même pas mal d'arrêts. Il y a quand même pas mal d'arrêts, hein. Franchement. Ça va durer 15 heures cette vidéo. Non, purée, mais franchement, il est... je vous promets, il est mal fait à la manette. Hein. Franchement, je crois que c'est plutôt un jeu fait pour voilà, les PC que la manette. Voilà. Allez. On va y arriver, je vous promets, j'y arriverai. J'y arriverai. J'y arriverai, c'est voilà. Enfin, Dieu, il y a plein d'arrêts sur ce trajet. Hein. Franchement, il y en a plus qu'hier. Ah, ça va. On arrive au dernier trajet, enfin au dernier arrêt. Si j'arrive à le choper d'ailleurs en fin de colonne. Voilà. Bon, allez, on démarre et on s'amuse. Tout du moins, on va essayer. Ah oui, c'est le vieux coucou. Voilà. Celui-là, c'est celui-là. Et j'ai mis la marche en arrière. Alors, est-ce que je pars à l'avant? Oui, voilà. Pouvez-vous vraiment annuler? Non, je ne peux pas annuler, non, surtout. On est dans. Comment dire
peut faire tourner notre tête à 360 degrés. C'est l'exorciste, ce truc. C'est un vieux coucou de la guerre, hein, franchement. Par contre, si je pourrais avoir mon premier arrêt, ça serait sympa. Et il est où? Il est où mon premier arrêt? C'est les personnes qui attendent là pour les... ça va bien commencer. Chouki. Si c'est là-bas, franchement, j'ai déjà vu le sens en fait. Ça marche à rien. Hein. Je suis l'exorciste. De toute façon, il n'y a pas de sortie là-bas. Il n'y a plus d'écrit. Je ne sais pas. C'est cool. Le trajet déjà. Il n'y a pas d'arrêt de l'autre côté, mais je vais... C'est un vieux coucou de la guerre. Si c'est là, je suis déjà dans le mauvais sens hein, quand même au passage. On va le signaler quand même. Hein. On va essayer de faire demi-tour comme on peut. Voilà, demi-tour. C'est bon, j'y suis. Alors, êtes-vous mes premiers passagers qui roulent déjà sur le trottoir hein. Bonjour, êtes-vous, vous montez? Non, c'est pas vous en fait, bon, j'ai fait... C'est pas vous, on va se faire, au revoir. Hein. Ils sont où? Ils sont où mes passagers? Premier arrêt est où quand même, le passage? Non, mais franchement... Ah, là-bas, peut-être, non? Je vois qu'il y a une cabine de bus là-bas, derrière le bus. Ah, peut-être. Il me fait voir qu'il faut que je retourne. Parce que voir il veut que je retourne au garage et je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi il veut que je retourne au garage. Pourquoi? Je vais être en retard moi. Retourner là-bas. Ça commence bien hein, cette vidéo. Ah d'accord, on l'a en fait. Je les avais loupés. Ça va être bien pour me garer moi. C'est lequel? Ah le gars. Bon, voilà, j'ai enfin trouvé. J'aurais pu mettre tout de suite une... Comment dire... Bon, excusez-moi, j'étais parti sans vous, hein. Je suis un peu en retard. Vous m'aviez vu partir, vous aviez qu'à me faire signe, hein, purée, franchement. Je vais aller arriver tardive, tu m'étonnes. On paye le ticket s'il vous plaît, merci, on est gentil, bonjour madame, il est moche comme Bob. Ah il y en a plein hein, quand même.
Bon, personne. Fermé. Essayez-vous. Et on est reparti. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire demi-tour. Ah, c'est là où je voulais aller en fait, sans voir. Bon, on va essayer de rattraper notre retard parce que. Ouf. C'est pas gagné, hein. J'ai peur de me prendre sur le. Un petit coup sur le. Sur le trottoir, c'est génial. Allez, dépêche. Je passe, merci. Voilà. Et on est vraiment avec le vieux coucou, de chez Vieux Coucou. On entend le moteur. Encore une amende pour l'arrivée tardive la prochaine fois s'il y en a une, je le saurai. Voilà. Non, ça, on n'a pas eu d'amende. Plus 180 pour le prix du billet. Allez, on se dépêche un peu. Alors, c'est pas un grand grand bus, hein, mais bon. C'est bon, tout le monde est entré. On ferme les portes. Et on est reparti. Voilà. C'est vraiment délicieux. C'était pas là. Faut que je fasse demi-tour. Attendez, j'arrive. Je fais demi-tour. Normalement, je peux pas tourner à gauche, mais pour des soucis techniques. Attendez, hein, j'arrive, hein. J'essaye de faire demi-tour comme je peux. Ça va être bien cette vidéo, je le sens. Encore plein de bêtises de la part de Julia. Hein. Vous avez commencé à être habitué avec moi, franchement. Surtout dans les bus, je sais pas pourquoi, les bus j'adore, mais voilà quoi, j'ai fait des bêtises, attention, j'ai pas envie d'en tuer. Voilà, on est pas perdu. Alors le prix du billet. Ouh, joli, ça monte bien, hein. Ça va, 135, c'est bon, tout le monde est dedans, on peut y aller, on ferme les portes. Je me demande pourquoi dans celui-ci ils ont bien mis les touches et dans l'autre en fait ils l'ont inversé. Je sais pas pourquoi en fait. Il y a plein de brouillard quand même. On va mettre le clignotant un peu douce.
Exactement. Ah, faudra vous tasser, hein. Franchement, vous serez serré comme des sardines. On ne peut pas faire autrement. Hein. J'en ai pas assez. C'est fini, c'est bon. Il ne doit plus avoir beaucoup de place en fait. Alors, on commence à récupérer tout doucement. Le timing, il est vert. On tourne. On essaye plus ou moins avec un vieux teuf-teuf comme ça. C'est plutôt office de char d'assaut que de bus. Hein. Un char d'assaut de luxe, on va dire. On va arriver au prochain arrêt. Passer un peu en 8h16. Ils sont chers hein, quand même les billets. Voilà, alors 8h16, c'est pour nous, on va fermer. On redémarre. Ah, départ anticipé, bon ben voilà. Première amende. Allez, on doit arriver à 8h22 prochaine arrêt. Donc on a le temps. Voilà. Bon ça va, on est au feu rouge, donc voilà. On va freiner tout doucement. Voilà, on va mettre le frein à main. Bon, il est pas très beau, mais il est pas non plus voilà, si dégueulasse que ça quand même comme beau. Hein. On voit que c'est pas non plus un studio à gros budget, on va dire. Hein. Comme les autobahns simulateurs. On doit arriver à 22 et repartir à 24. Si je repars avant, je vais me reprendre 50 euros d'amende. Donc il faudra attendre un petit peu pour recoller un peu. Voilà. Ça va, il y en a quelques-uns qui sont au bout. Plus 90 sont pris du ticket. On va attendre un petit peu hein, quand même parce que là ça fait un peu trop tôt pour repartir. Sinon je vais encore me reprendre une amende. Voilà. On va essayer de coller un petit peu au timing. Partir
Ah, 19. Désolé, hein, c'est le timing. Sinon, vous prenez. Je vais me prendre encore des grosses. Je vais pas arrêter de me prendre des amendes en fait. Je vais attendre 22 peut-être quand même. Parce que si je prépare maintenant, je risque de me prendre une amende. Voilà, s'il n'était pas anticipé, on va rouler tout doucement pour essayer de perdre un peu de temps quand même. Hein. Il faut arriver à 25 au prochain arrêt pour en repartir à 27. Donc, j'aimerais bien recoller un peu, comment dire, bon, on perd que 50 à chaque fois. Mais... De loin, on dirait la voiture de Starkey Edge. Alors de loin. De loin, on aurait dit une bande blanche avec le soleil. Donc voilà, ici c'est la campagne en fait. On compte ça comme étant la campagne. Comparé à Bus Driver Simulator, que là on n'est que en ville en fait. Ici c'est un peu plus voilà la campagne. C'est dommage que les bus de DLC ne fonctionnent pas sur celui-ci. Oui. Remets-toi bien, Julia, quand même, parce que. Il y en a quand même qui sortent ici, peut-être de la famille, hein. Tiens, alors, un bon 45. Le prix du ticket de bus est quand même assez cher, hein. 45 euros, franchement. Il faut attendre un petit peu quand même, hein. Franchement. Sinon, ça va vraiment pas le faire. Ce serait dommage de... Ce serait quand même assez dommage de se prendre à chaque fois 50 euros d'amende quand même. Encore 4 minutes à attendre, on va dire, hein, quand même, parce que... Oh, attendez, de l'autre côté, hein, j'arrive bientôt, hein, je fais tout le tour, c'est le temps d'attendre, parce que là je suis un peu rempli, on va dire. C'est un peu rempli. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. J'avais pas beaucoup de sous, donc voilà. Quoi. Je peux même pas prendre tout le monde en fait. 34. On va attendre encore un petit peu. Hein. Encore quelques arrêts quand même, à mon avis. Un peu
pas vraiment voir mon avis, le retour se fera au garage. Alors, 25, c'est à l'heure où on devait arriver. Maintenant, on doit attendre pour repartir à 8h27. Admirer les arbres, la vue, un joli volant, hein. C'est un vieux teuf-teuf russe, hein, quand même. Il n'y a même pas de plexiglas, hein. Tout le monde peut me voler mon argent, me tuer et tout ça, on voit qu'on est en Russie, ça fait un peu russe. Un peu forte, hein. Il commence à faire froid, et... Bon, on va peut-être essayer, enfin, on va attendre 26h30 on va dire pour partir. On va dire que clignotant. Mais on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de trajets, j'ai envie de dire. Il n'y en avait que 5 ou 6 et franchement, voilà quoi. C'est pas non plus fou, même si on peut en faire des de nous-mêmes, en fait, j'ai envie de dire, mais c'est pas... Voilà, on peut les personnaliser. On va repartir. Vraiment très épuré, on voit que c'est les anciens plus, hein. Même au son du moteur, franchement, voilà, ça fait un peu vieillot. Donc il faudra gagner sa vie comme on peut pour acheter des bus un peu plus neufs, un peu plus jeunes qu'on pourra un peu plus remplir. Alors je vais partir sur la droite, peut-être pas ici quand même. Merde, c'était là un peu. Génial. J'ai plus qu'à faire demi-tour. J'avais bien envie de refaire demi-tour ici, mais. De toute façon, il faudra bien. Hein. Demi-tour ici. Hop, pardon, excusez-moi, j'ai plus demi-tour, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que je dois refaire un autre demi-tour. Alors, c'est vraiment dangereux pour moi. Parce que je ne pourrais pas. Bon, bah voilà, hein, je me suis trompé de trajet. Voilà, quand vous prenez là. Voilà, c'est moi, hein, messieurs, dames, hein, voilà. Et je suis en retard cette fois.
me compromis. Alors, et en général. Pour espagner, quand même, ça m'arrangerait, hein, le coucou. C'est vraiment le coucou. Alors, je dois m'arrêter où, moi? Ah, dans le. D'accord, dans le. On va faire du bus tout terrain en fait. Voilà. Bon, au moins ça va, j'ai pas eu de PV pour être arrivé un peu en retard en fait. Voilà. Alors. On va fermer les portes. On va mettre les clignotants. Et on va repartir plus doucement. Voilà, on n'est pas parti trop tôt de l'arrêt, donc ça va. Il ne faudrait pas prendre d'amende. Il est vraiment lent comme bus, on va dire. Voilà. On aurait même peur de tomber en panne avec, hein, quand même, au passage. Et on va faire, comment dire, l'arrêt de bus Sadajevo 3. C'est vraiment... Freine. Ça freine devant. On va faire voir qu'on tourne à droite. C'est dommage que les clignotants ne se retirent pas quand on a tourné en fait. Ah ouais. On fait du off-road en bus. C'est hallucinant. On doit arriver à 35. C'est un arrêt qui est un peu plus loin que. Et les autres, on va dire. Mais non, il accélère bien. Il préfère le off-road en fait. Ce bus préfère le off-road. Il est plus fait pour le off-road que la ville. Parce que en ville, j'avais l'impression de me traîner. Et puis là, je sais pas. Il s'emballait ce bus. Alors nous sommes arrivés dans un. Ouh, ça a popé. Oh, ça a popé tout seul. Franchement. Allez, tourne un peu. Alors au bout de la rue, ça sera à droite. Excusez-moi. J'ai eu un sursaut. Qui c'est qui peut sortir et pousser derrière? Parce que là on a du mal à monter la pente. Hein. La côte est assez difficile à monter. Allez, vas-y, tu peux le faire. Dépêche-toi d'ailleurs parce qu'il te reste 30 secondes pour arriver là-bas. Pour une fois, je vais être en retard.
je vais être en retard sur l'heure. Ça, faire un demi-tour. Et voilà, nous sommes en retard, mais bon, ça va pas être beaucoup, au moins. Pourquoi je suis sorti du bus comme ça? J'ai eu peur moi-même, vous voyez, je suis sorti du bus. Voilà. Et on doit repartir à 37. Allez-y, montez, payez-moi le ticket de bus. 135. Ah, ça va hein, quand même. Je suis à 2000. Mais on peut pas prendre tout le monde, c'est ça qui est un peu embêtant. On a un trop petit bus, donc. On va encore attendre 30 secondes quand même. Parce que le prochain arrêt est très proche du problème de celui-ci, donc. Pour y aller environ. Ça ferme les portes, mettre le clignotant, desserrer le frein à main, et on est reparti. Voilà. Ah non, c'est par là. Ah, c'est par là. Oh là là. Je suis très mauvaise en orientation. Hein. Je sais pas si vous l'auriez compris. Mais bon, ça va, il y a quand même moyen de bien s'amuser, surtout qu'il est en promotion en ce moment sur le PSN. Voilà. Comme on est sur la route, je préfère mettre mes feux de détresse. Alors, 8h37 et on doit partir à 40. Allez, 40. Non, on va attendre un petit peu parce que sinon on aura le droit à 50€ d'amende. Donc, comment. J'ai pas trop envie de. Comment dire, de prendre encore des amendes. Hein. Le but du jeu étant d'économiser assez d'argent pour s'acheter des meilleurs bus et pas de dépenser l'argent dans les amendes. Secondes ici hein, pour bien coller au temps. Voilà, je vais retirer. Et on est reparti. Voilà. Alors, on doit arriver à 8h42. À Sanikovo. Il y avait un 1. Je vais manger le 1. J'ai faim. Bientôt 4h, j'ai faim. Ah,
stop, un stop. Calme-toi, calme-toi. Stop. On peut y aller, une autre personne qui arrive. Voilà. Alors, mon impression, c'est que oui, on peut s'amuser sur ce jeu. Mais bon, on va vite tourner en rond en fait. Il n'y a pas vraiment de. Voilà, le mode carrière, c'est plutôt pour faire les mêmes trajets, économiser et acheter des plus grands bus et tout ça. Et dès qu'on a le grand bus, en fait, on tourne en rond. Donc c'est un peu dommage quand même, il n'y a pas de réelle évolution, je dirais. C'est un peu voilà. Un peu dommage sur ce point-là. J'arrive avec 10 minutes d'avance. Oh, faut se garder, faut se garder. Ah, mais je vais faire une petite marche arrière quand même. Parce qu'on se revoit, on a un peu de temps. Pressez-vous pas, hein. Voilà, on va faire ça comme ça. Au moins, on a tué personne, c'est déjà pas mal, on va dire. Ça va, on a déjà quand même une belle petite cagnotte 2450 euros. Bon. C'est pas mal. Et faut attendre 2 minutes pour repartir. Alors, 42, attendre encore quelques secondes quand même. Oh, l'autre il est énervé là devant au téléphone. Hey, on a failli me rouler sur les pieds. Qu'est-ce que c'est que ce chauffeur de bus? J'en ai marre. Ça fait déjà le troisième chauffeur qui essaye de me rouler sur les pieds. Je prendrai plus votre ligne. On va fermer. On va attendre encore quelques secondes parce que le prochain arrêt est vraiment tout proche. Même si c'est un petit peu synchrone au passage. Avant, j'ai dit, oh, parce que sinon il. Au revoir, monsieur. Et on va rouler doucement parce qu'on doit arriver à 8h45. Je crois que la prochaine fois je ferai des arrêts d'une minute hein, quand même parce que deux minutes, j'ai l'impression que c'est un peu long. La prochaine fois, voilà, je ferai des arrêts un peu plus courts. Je mettrai une minute d'arrêt.
un Men in Black à l'intérieur, tout en noir. Alors 45, 180 tickets de plus. Voilà, et on doit attendre une petite minute. Alors, 8h45 et 33 secondes, on va encore attendre une petite minute avant de repartir. Ça va, vous êtes bien avec vos téléphones. Ça vient. Il n'y a pas eu d'accident, donc ça va. Il y a eu de la chance comparé aux personnes hier dans le bus. Eux ont eu 3 accidents. Hein. Ils étaient contents de retrouver la terre ferme. Ils priaient. Ils priaient dans le bus d'ailleurs. Hein. Tout ça, vous avez l'air d'être serein sur vos téléphones et tout ça. C'est cool. Alors, on va encore attendre quelques petites secondes. J'ai envie d'attendre encore quelques petites secondes pour dire de repartir. Enlever le frein à main. On va laisser passer. Voilà, c'est bon. On est reparti. Jusqu'à Berezovka. Je ne suis pas russe. Ils sont portugais, donc voilà. Je suis d'origine portugaise, donc le russe très peu pour moi. Alors on doit arriver à 8h39, on va essayer d'y aller tout doucement quand même. On va devoir trop attendre là-bas à la réponse, j'ai envie de dire. Dommage, on y est déjà presque. Limite avec une minute d'arrêt, ça serait mieux quand même que toujours 2 minutes d'arrêt. Arrivé encore une fois trop tôt, il faudra attendre. Ah, par contre, il y aura de la place, il y a beaucoup de monde qui s'en va. Alors, 45. 135. Pas beaucoup, hein, quand même. Ah, 90 en plus. Ouais, 2945 euros, c'est quand même pas mal. Attendre un petit peu pour ne pas perdre tout notre argent comment dire dans les amendes hein, quand même parce que le but du jeu étant d'acheter un meilleur bus
Après tous les acheter, peut-être pas quoi, parce que ça va vite tourner en rond, j'ai envie de dire, et donc on va fermer un petit vent léger, un peu froid, je dirais. Attendre. Ah, le prochain arrêt est un peu plus loin, Kovarsby 3. C'est un arrêt de bus un peu plus lointain. Donc bon, là il est 30. Hop, on va repartir, on sait jamais. Hein. Je me tromperai encore de route, j'espère pas. Mais bon. Voilà. C'est parti, tout doucement. On a 4 bonnes minutes pour y arriver. Donc on ne veut pas rouler trop vite. Je sais pas si vous avez fait gaffe hein, les gars derrière, mais je roule sans les mains. Hein. Je n'ai aucune main sur le volant. Je fais tout par la pensée. Si vous avez peur, c'est normal. Moi à votre place, je serai terrorisé. De voir que mon chauffeur de bus n'a aucune main sur son volant, d'ailleurs il n'y a personne sur le cerveau. Oula, c'est pas idiot, Julia. Roule bien. D'ailleurs, il n'y a aucune personne sur le siège. Hein. Je suis un fantôme sur le siège. On ne me voit pas, je n'ai pas de main. Ils vont bientôt. Et c'est peut-être ça hein, que l'autre était au téléphone, en train de s'énerver au téléphone, il essayait peut-être d'appeler SOS Fantôme. Hein. Ou alors il appelait mon employeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fantôme qui conduit le bus? Non mais franchement, vous avez vu ça où quand même? D'employer maintenant les fantômes. Alors, je connais un tout petit peu quand même. Procurer le nom de la ville russe, je vous le dirai même pas, j'essaierai même pas de vous le dire. Hein. Si nous avons des personnes parmi nous qui lisent le russe, peuvent toujours me dire quelle ville c'était, enfin quel village c'était. Mais moi je ne le ferai pas. On est encore 2 minutes avant d'arriver, on va freiner un peu parce qu'on y est presque. Je sais pas si les voitures prendront un peu de temps, parce que sinon c'est tout le temps qu'on va devoir attendre à l'arrêt de bus, ça sera pas très cool. Ah, je vais arriver trop en avance encore une fois. Et voilà, on a dépassé les 3000 euros de recettes sur ce trajet. À mon avis, on doit être dans la ville de Kovarsby.
si j'écorche le nom. En fait, elle bouge, t'as un casseur. Ouais, tu vas te casser, toi. Avec ta casquette. Ouais, bon, 55. Bon, bah, faudra attendre, hein, mes gens. Bientôt reparti, t'énerve pas toi sous ta casquette, ça va aller. Ah, derrière nous avons un. Comment dire, un ou deux marins, hein, casquette de marin. Il y en a beaucoup, hein, des marins dans ce jeu avec leur casquette. On va commencer à fermer les portes. Encore quelques petites secondes. Il y a quand même plusieurs garages disséminés sur la map, j'ai envie de dire. Donc je sais pas si on doit les acheter ces garages ou si c'est des points de début de mission, comment dire, éparpillés sur la map. Ouh, on va y aller, hein. On va être en retard ce moment. Voilà. Ah si, ils sont là, je vais... Ah, je voyais pas, hein, je pense que c'est pas. Oh, le truc ici, franchement, on passe par les petites routes... Petit chemin de campagne ici. Dans la terre et tout ça quand même. Hein. En retard sur notre horaire, mais comme ça va être. On a 2 minutes d'arrivée là. Il est où? Il est là-bas. Hop. On a notre maître qui le temps. C'est arrêté. On va essayer de faire ça en douceur. Voilà. On a 3 fois le même. On a encore Men in Black barbu qui est revenu, là, franchement. Et on a un autre Men in Black barbu là-bas qui attend encore son bus. C'est un peu toujours, comment dire, les mêmes têtes, hein, qu'on voit quand même. Parce que le trajet est assez court. Ça sert à rien de comment dire, de trop courir. Le trajet est assez court.
Je ne sais même pas combien on en est de temps pour cette vidéo. Mais... C'était un gros trajet celui-là quand même. Et on doit attendre 9h03 pour repartir. Ah, ça y est, on parle qui est téléphone. En étant un peu énervé, j'ai l'impression. Encore un qui se plaint d'avoir un fantôme en liste de chauffeur de bus. Pour repartir. C'est rétroviseur, c'est dommage. Les rétroviseurs ne sont pas très très fonctionnels, je dirais. Alors, on doit arriver à 9h05. Je ne sais pas combien il y a encore d'arrêt, mais il doit continuer plus près, mais on va donc. Essayer de pas devoir refaire un demi-tour, hein. On va essayer de prendre la bonne direction cette fois avant de et il y a plein de brouillard quand même, hein, franchement. Alors j'ai vu qu'il y avait le mode hiver. Il faudrait un jour que je le teste, le mode hiver, pour voir s'il y a comment dire de la neige et tout ça. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on va atteindre les 4000 € pour ce trajet ou pas? Franchement. Alors... On va essayer de ne pas faire un accident quand même. Deux petits kilomètres.
partir à 9h07. Il y a plein de monde qui sont en bus. Nouveau chauffeur de bus. C'est cool, comme trophée. Plus 300%. Si on va dépasser les 4000, oui, voilà. Oh là là, t'es crâne toi, franchement. Oh là là. Alors, on va attendre encore une minute. Hein. On va partir vers 9h06:30 quand même. Pardon, excusez-moi. Bon. 4160 € quand même. Hein. Et on est à... Ouh, 1h16. 1h16 quand même de vidéo avec ce trajet de didacticiel quand même. On est les portes. Un trajet assez court. Hein. Reparti. C'est lui qui arrive, donc ça va s'engager. Donc on peut, comme dans l'autre Build Driver Simulator, acheter des nouvelles pièces pour améliorer nos bus. Je suis pas sûr que ce soit ça qui fait le charme vraiment du jeu, hein. C'est un peu optionnel à mon avis. Le devoir de acheter, on va arriver beaucoup trop tôt. On va arriver beaucoup trop tôt à notre arrêt suivant. Encore attendre. Ça va, il y a un feu rouge. C'est dommage, on n'aura pas attendu très longtemps pour cet arbre. J'ai l'impression qu'on revient en ville en fait. Un peu dangereux, hein, monsieur, quand même, il y a un bus qui arrive, vous traversez, vous n'avez pas peur, hein, franchement. Alors, peut-être vous, j'aurais attendu quand même. C'est votre vie, après tout, c'est pas la mienne. On arrive juste pile poil. Et maintenant on devra juste attendre le départ. Madame, on voit un peu votre culotte quand même en dessous de votre robe. Hein. Non, non, en fait vous êtes rien, vous avez un gros trou quand même. 360. Ça monte bien hein, quand même. Je suis pas sûr d'atteindre les 5000 € sur ce trajet, mais c'est quand même un beau trajet. Ah, on doit retourner au garage. Fermer la porte. Enfin, les portes, on a deux.
Attendre 30 secondes avant de repartir quand même. Et voilà, nous allons vers la dernière, enfin le dernier arrêt qui est notre garage, hein. Là où on a débuté. Alors de là, on va faire une série. Non, je crois pas en fait. Déjà, je crois pas que ça intéressera beaucoup de monde. Celui-là, je vois plus rien. Je ne sais même plus où le feu. Voilà, celui-là. Jouer comme ça de temps en temps, faire une petite vidéo comment je changerai de bus, pourquoi pas. Mais de là à en faire une série, ce sera à vous de me dire si vous voulez continuer de revoir ces épisodes ou pas en fait. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir un autre épisode, un autre trajet que celui-là ou pas. Alors, est-ce que c'est là ou pas? Est-ce qu'il faut que je rentre Ah oui, c'est là. J'ai bien fait de quoi arriver trop vite. Voilà, tout le monde descend, merci, au revoir. Vous n'avez pas eu d'accident, donc ça va. Voilà, trajet complété, argent de ticket, 4700, c'est cool. Voilà, j'ai fini le trajet, allez, on descend, s'il vous plaît, merci, madame. Téléphonera dehors, merci. Et je vais ranger mon bus. Mon vieux bus de la gueule. Alors je prends le chemin à l'envers, mais c'est pas grave. C'est mon garage. Je fais ce que je veux dans mon garage. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit la faire comme ça? Voilà. Et oui, voilà, nous avons fini notre premier trajet. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez voir, un prochain épisode, un autre trajet ou pas. Hein. Niveau bus, voilà, celui-là je l'ai. Celui-là, je peux l'acheter, mais il est un peu plus petit, j'ai l'impression que celui-là que j'ai, il a peut-être moins de place. Celui-là, ouais, celui-là je peux l'acheter, il y a peut-être plus de place dans celui-là, donc j'achèterai peut-être celui-là la prochaine fois. Celui-là un peu cher et un peu plus petit. Ou alors j'attendrai, d'avoir assez d'argent pour celui-ci qui m'a l'air un peu plus long. On verra bien. Et donc je vais vous laisser là pour cette vidéo test de Bus Driver Simulator
City, je sais plus le nom en tête, excusez-moi. City, je sais plus. C'est marqué dans le nom de l'épisode, hein, vous m'excuserez. Que c'est un achat sur le PSN et pas en boîte, donc voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de mes vidéos tests ou de mes séries, me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et si vous voulez, un petit commentaire pour me dire si vous voulez revoir d'autres épisodes ou pas, auxquels je répondrai le plus rapidement possible. Et je vous dis bonne fin d'après-midi plutôt, il est 4 heures. Donc voilà. Et je vous dis bye bye.